Ce soir, les célébrités se sont donné rendez-vous ici, dans le 19e arrondissement de Paris, pour le lancement de ce livre, cette bande dessinée, signée Rocala Diallo et Kim Consigny. Ça s'appelle Paris d'amis, et ça parle de quoi ? Bah, c'est un récit universel. Pour moi, c'est un peu Sex and the City à Paris. Donc j'espère que toute personne, qu'elle soit parisienne ou non, pourra s'identifier au personnage. Rocaïa, c'est une très bonne amie que j'admire vraiment très particulièrement parce qu'elle est engagée, elle est brillante, elle est pleine de bonnes idées, elle est pleine de bonne volonté pour faire changer les choses. Et ça, c'est extraordinaire. En plus, c'est une BD qui met en scène un peu toutes les couleurs de la France et ça fait du bien. Donc c'est cinq personnages bien trempés, un peu à la mode Spice Girls finalement. C'est ça, c'est cinq filles, voilà, entre Spice Girls, Sex and the City, Friends, voilà les problèmes de trentenaire qu'on a pu voir aussi à 15 ans dans Ally McBeal. Donc il y a Cassandre qui est au milieu, qui rentre aux États-Unis et qui entraîne toute sa bande d'amis dans ses problèmes. Elle recherche un appart, elle cherche à monter sa boîte et ses copines ont d'autres problématiques qui sont des problématiques de parisiennes un peu lambda finalement. J'ai pas vous demandé de chanter des Spice Girls. Non, ils vont même pas me demander. I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you really, really want. Ah bah c'est déjà... Bravo ! Alors depuis que vous êtes parisienne, est-ce que vous avez eu les galères que ces filles ont dans ce livre ? Pas particulièrement, on dira que j'ai beaucoup de chance. Même avec les hommes, parce que là-dessus, les hommes apparemment, ils ont pas très bonne presse, un peu comme dans Sex and the City. Et moi je suis en couple depuis 6 ans donc... Mais tout vous sourit ! Il y a des mecs dedans quand même. Il y a des mecs, forcément, il y a des mecs. Est-ce que comme dans Sex and the City qui vont avec. Voilà, donc vous inquiétez pas, vous êtes servis aussi. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce livre ? Vous l'avez lu ou pas encore ? Eh ben écoutez, j'ai pas encore lu. Alors par contre, ce que vous avez dû voir, c'est la robe rouge magnifique de Rocaïa. À l'entrée, vous l'avez vu ou pas ? Non, j'ai pas fait attention. C'est vrai ? Vous avez pas fait une belle femme comme ça, vous faites pas attention ? Ben écoutez, j'ai pas regardé la robe. Elle était magnifique. Il faut que j'y aille là ou pas ? Elle est magnifique. Ben, vous le verrez en sortant, c'est pas grave. Ben écoutez, ouais, je vais essayer. Alors c'est un livre, alors vous allez découvrir cette bande dessinée qui traite de choses sérieuses mais en même temps sur un ton un peu Sex and the City. Ok. Et autant vous dire que les hommes n'ont pas forcément la meilleure place dans ce livre. Mais ça dépend, vous savez, je sais pas, il y a... Parfois les femmes n'ont pas la meilleure place, parfois les hommes n'ont pas la meilleure place. En règle générale, quand même, on vit dans une société où les femmes n'ont pas les meilleures places. Donc ce n'est que justice. Ce qui serait justice, ce serait que... On soit égalité, quoi, non ? Oui, ben c'est ce que Rocaille avait l'air de dire. J'ai découvert un petit peu ça, c'est un peu une sorte de Sex and the City. C'est vrai que les garçons n'ont pas forcément le bon rôle. C'est étonnant, hein ? Comme dans la vraie vie, hein ! Allez hop, on prend une page de la BD au hasard et on se la refait avec Ina Modja et son petit frère. À propos de classique, tu aimes bien ma coiffure, Louis ? Ah bon ? Tu voudrais faire quoi ? Je me demande si je ne devrais pas faire quelque chose de plus authentique. Je suis sûre que tu seras magnifique. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette ce soir ? Une coupe afro ? Et tu crois que je ferai carrière avec une coupe pareille ? Bonne question. Je suis arrivé tôt, mais je repars sans BD, mais... Bah, la voilà, écoutez. Elle est ici. Bah oui, c'est pour vous. Ah ben c'est génial. Je vais la choper pour qu'elle me fasse une petite dédicace, mais je serai content. Voilà, Paris d'amis, c'est une bande dessinée pour changer les choses qui sort aujourd'hui et qui mérite son 9 sur 10. Et en attendant, moi, je vais regarder la 47. Hein. 47.